Edouard, le but de nos échanges, c'est de faire un point sur les retours clients suite à l'implantation de la nouvelle collection. Je suis arrivé chez Rexel en 2011 en tant que responsable point de vente et aujourd'hui, depuis 2 ans, en tant que responsable chef des ventes. Un vrai service en plus de notre J0, en effet. D'accord, un vrai accompagnement complémentaire. Le métier de chef des ventes, c'est de mettre en œuvre la politique commerciale, d'accompagner au quotidien les équipes itinérantes à répondre au mieux aux besoins de nos clients. Fabrice, j'aimerais qu'on fasse un point sur la qualification. On est sur le centre de relations clients de l'agence d'Annecy. Je suis en compagnie de Fabrice Roga, directeur du centre de relations clients. On échange aujourd'hui sur un fichier client. Excel avec un lien. Les documents d'ouverture du compte. Les documents d'ouverture. Nos bureaux sont à proximité. On échange au minimum une fois par semaine. Ça nous permet d'être en phase de façon à ce qu'on a nos actions et nos opérations en adéquation. Donc on a 4 ouvertures de compte à ce jour. Nous sommes dans les locaux de la société VDX en compagnie du dirigeant Laurent Vaudot et de Michel, le TCI. Allez, on est parti. On a prescrit et proposé notre solution Esabora à Laurent. Après quelques semaines d'utilisation, est-ce que tu peux nous donner tes retours? Je sais que tu le déploies actuellement. On a besoin aussi d'être accompagné suite à la mise en place d'Esabora. C'est pour nous important d'être soutenu et d'être, on va dire, écouté sur des modifications nécessaires à la bonne prise en main de notre logiciel. Donc ici, c'est notre activité Inox. J'accompagne mes équipes commerciales pour les aider dans leur développement, pour aussi garder le contact avec le client et connaître les besoins clients. Le contact avec le client, pour moi, reste indispensable. Aujourd'hui, l'équipe que je manage, c'est 11 personnes. Je passe en moyenne 2 à 3 jours à leur côté sur le terrain. Et ça se finit en général par une journée, 2 jours d'échange d'informations entre les managers de proximité, les équipes support Excel. Et je peux avoir un détail par TCI. Et qui te permet d'avoir un détail par TCI pour lancer une action. On est à l'agence de Saint-Genis-Pouilly. J'échange avec Clémentine, notre business analyst, qui me présente le dernier outil de pilotage du suivi d'activités clients et de mes équipes. Et tu peux également retrouver les éléments afin de les piloter directement au client. En tant que business analyst, nous accompagnons les chefs des ventes ou les DP dans leur quotidien, dans le pilotage de leur activité. Nous essayons de leur mettre à disposition tous les outils pour être performants au quotidien. Salut Christian, comment vas-tu? Bonjour Julien. Ça y est, le chantier prend forme? Ah oui, ça avance bien. Vous venez de terminer Crépy, ouais? Oui, l'installation électrique aussi. Si tu veux, je t'invite à venir voir ça. Ah bah avec plaisir. On est dans le pays de Gex, le département du 01. On est sur le chantier de la société Batica, en compagnie de Julien, représentant du compte client, et de Christian, dirigeant de la société Batica. Aujourd'hui, il fallait un partenaire qui puisse nous comprendre, nous écouter et croire en notre projet. Et aujourd'hui, on l'a trouvé justement grâce à Ludovic et grâce à Julien au sein de l'entreprise Rexel. Ce qui me motive chez Rexel, c'est pouvoir partager des idées, partager une vision avec mes équipes, être confronté à des difficultés. Mon boulot de manager, c'est aussi, pour faire un rapprochement dans le monde sportif, le coach. Donc c'est définir des règles, un cadre de jeu et accompagner ces équipes à s'exprimer, prendre des initiatives en ayant un objectif commun.